Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, je suis un grand fan de jeux d'horreur. Et c'est aussi vrai pour son équivalent du côté du cinéma. Vous comprenez donc pourquoi j'attendais Until Dawn avec impatience. Tout d'abord, il faut expliquer que ce nouveau jeu exclusif à la PS4 est une sorte d'aventure interactive d'horreur. Pensez à Heavy Rain, mais en version horreur, et qui se prend beaucoup moins au sérieux. L'histoire se déroule en plein hiver dans un chalet éloigné qui se situe sur une montagne. Un an après un terrible accident qui a mené à la mort de deux sœurs, des amis se réunissent au même endroit pour commémorer la mort de leurs amis. Au menu, le traditionnel psychopathe qui veut tuer tout le monde et les clichés habituels des films d'horreur de série B. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que le jeu en est conscient et tire le maximum de cette mécanique de peur. Un peu comme le film The Cabin in the Woods, Until Dawn assume son côté cliché et réussit à surprendre le joueur en incorporant des éléments qu'on ne voit pas venir. Bref, le tout est très rafraîchissant et ça se veut un bel hommage aux films d'horreur de type slasher. Dès le début, les personnages nous sont présentés à coups de dialogues qui en disent long sur la personnalité de ces derniers. On a droit aux classiques du genre et on ne peut pas vraiment s'empêcher de rire devant le manque de profondeur de certains échanges. Mais bon, tout ceci fait partie de l'ambiance qu'Until Dawn veut installer. Tout au long de l'aventure, le jeu assumera à 100% ses racines et ses origines. Fait intéressant, le récit est découpé en épisodes. Avant chacun de ces derniers, il y a un petit résumé à la manière d'une série de télé qui sert entre autres à rappeler les choix que l'on a pris. Car dans Until Dawn, nos choix ont une incidence sur le cours de l'histoire, que ça soit de prendre un chemin différent pour fuir une menace ou décider dans le feu de l'action si on aide ou non un personnage en détresse. Tous ces choix influenceront le reste de notre aventure. Pour ce qui est de la mécanique de jeu, c'est assez simple. L'accent est mis sur l'expérience plutôt que sur la performance. Évidemment, il y a des moments où il faudra être sur nos gardes pour réussir les différents Quick Time Events où il faut peser sur un bouton à un moment précis, mais autrement, l'exploration et l'expérience de jeu sont mises à l'avant-plan. En évoluant dans des décors très intéressants, j'avais l'impression par moment de me retrouver dans un Silent Hill. D'ailleurs, l'exploration en pleine tempête et la présence d'un psychanalyste entre chaque épisode me rappelaient agréablement Silent Hill Shattered Memories, un jeu que j'avais adoré. Dans les différents environnements du jeu, on pourra trouver des objets qui nous en apprendront plus sur le récit et l'historique de la montagne où se trouve le chalet. À travers ce paquet d'indices, il y aura des totems qui pourront servir à prévoir certains événements de l'aventure, que ça soit des conseils ou des accidents mortels que l'on pourrait éviter. Ça sert surtout à rendre l'expérience de jeu encore plus stressante. Et parlant de stress, le jeu tire agréablement profit des capacités de la manette de la PS4. J'ai rarement été aussi stressé dans un jeu. Il y a des moments où je retenais littéralement mon souffle, ce qui m'est pratiquement jamais arrivé dans un jeu auparavant. L'ambiance très absorbante du jeu est supportée par un visuel incroyable. Le système d'éclairage est ultra réussi grâce à un mélange impressionnant entre les zones sombres et les environnements très détaillés. Les angles de la caméra sont dignes des meilleurs films d'horreur et souvent, on oublie que l'on est en train de jouer un jeu tellement que c'est prenant. Les mouvements des personnages sont super réalistes et j'ai adoré leurs réactions à diverses situations. C'est quasiment déstabilisant de voir tous les petits détails dans leurs mouvements. La capture de mouvement qui a été utilisée apporte énormément de réalisme à l'atmosphère. Par contre, les déplacements des personnages dans les environnements se font d'une manière parfois un peu carrée, surtout quand on change de direction. C'est souvent le cas dans ce genre de jeu, mais on peut facilement oublier ce petit problème, croyez-moi. Pour ce qui est du son, la musique appuie bien le récit et les dialogues sont très efficaces. L'histoire ne se perd pas dans une complexité inutile comme c'est si souvent le cas dans les jeux vidéo. On a droit à des dialogues parfois ridicules, le style l'oblige, mais étant donné que le jeu ne se prend pas au sérieux, on embarque dans l'ambiance particulière d'Until Dawn. La plus grande réussite du côté du son, c'est sans contredit les jumpscares qui ont réussi à me faire peur à chaque fois. Les effets sonores sont tellement bien faits que l'on sursaute à chaque fois que le jeu désire le faire. On a beau s'y en attendre, on tombe dans le piège à chaque fois. L'ambiance sonore d'Until Dawn est géniale et ça apporte énormément à l'expérience générale. Seul petit bémol, les voix toutes doublées en français ne sont pas toujours synchronisées parfaitement avec les bouches des personnages. La plupart du temps, c'est correct, mais par moments, ça nous sort malheureusement de l'atmosphère. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir.
Côté durée de vie, entre 8 et 10 heures de jeu seront nécessaires pour terminer le jeu une première fois. Par la suite, il est possible de revenir dans les différents épisodes de l'aventure pour trouver tous les indices ou prendre des décisions différentes, car il est possible que tous les personnages meurent ou qu'ils survivent tous. C'est selon vos choix ou vos actions, ce qui ajoute agréablement des heures au compteur. J'ai déjà commencé une deuxième partie et je teste avec intérêt des choix différents de ceux que j'avais pris initialement. Until Dawn est un jeu que je recommande fortement à tous ceux qui s'intéressent aux films d'horreur ou aux jeux qui offrent une expérience unique et originale. Bien que la dernière heure de jeu avant la scène finale aurait bénéficié d'un peu plus de temps de développement, l'aventure en tant que telle est mémorable et j'ai adoré le temps que j'ai passé dans Until Dawn. Le visuel impressionnant, l'histoire simple mais très efficace, l'exploration toujours intéressante et la possibilité d'influencer le récit avec nos décisions réussissent facilement à nous faire oublier les déplacements un peu carrés des personnages dans les environnements et les problèmes techniques minimes du côté du son. Until Dawn est un de mes jeux préférés cette année et vous pouvez être sûr qu'il va se retrouver dans mon spécial Halloween 2015.